Bon, ça fait combien de temps du coup que t'as qu'on a terminé l'accompagnement déjà? Depuis le mois de février. Février, donc ça fait un mois. Oui. Mars, tout le mois de mars, un bon mois. Bah déjà, la première question que j'ai à te poser, c'est pourquoi tu étais venu me voir? Parce que tout dans ma vie était bloqué. Je trouvais plus de sortie pour avancer en fait. Dans tous les domaines, travail, familial et même ma propre vie à moi. Et comment tu te sentais à ce moment-là dans ta vie? Très mal, très très mal. Je voyais plus, j'arrivais plus à rien apprécier en fait de la vie. Je trouvais plus rien de beau, plus rien de bon, et je voyais du noir à partout en fait. Ok. Ça faisait un assez long moment que ça dure, que ça durait du coup, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Comment t'as vécu l'accompagnement? Parce que je me souviens plus trop combien de temps ça a été. Ça a duré sur un mois, je crois. Ça a été un On a fait mois, quatre séances. 4 séances sur un mois. Comment t'as vécu en fait, si tu devais décrire ça? Ben, on va dire qu'il y a des moments faciles et des moments difficiles. Ça dépend comment, enfin, sur quoi on travaille et comment bouge l'énergie, en fait. Il y a, tout au début, c'était super facile parce que ben, je pense que le temps que le corps s'adapte. C'est sur la fin que j'ai eu. Ben, l'énergie était plus, on va dire, forte et mon corps a subi quelques dégâts. Mais vis-à-vis de toi, après, tout est nickel en fait. Il n'y a pas de. Il y a rien à dire en fait. Quelle transformation t'as? Est-ce que tu as vécu des transformations pendant l'accompagnement que je t'ai proposé? Est-ce que tu as eu un avant ou un après? Au début, ça bouge pas beaucoup, il se passe pas grand-chose. Et ensuite, on voit des choses se débloquer devant soi, en fait. On trouve beaucoup de... Lesquelles? Ouais, quel genre de déblocage tu as vécu? Je voyais. Comment je voyais ça? Bon, je vais aller sur le large. Par exemple, par rapport à ma famille, je voyais tout négatif de leur côté en pensant que c'était eux le problème. Et en fait, à un moment donné, quand on a fait une séance, ça s'est retourné en fait. J'ai compris que c'était ma vision des choses qui faisait que les choses étaient négatives de leur côté. Pareil pour les gens qui m'entouraient et pareil pour le vide sidéral qu'il y avait autour de moi. Au début, j'avais très peur des gens et très très peur même. Et à l'heure d'aujourd'hui, je les vois et c'est juste des gens quoi. Avec qui des fois ça va, ça va pas. Certains on rit avec, d'autres on se dispute selon notre vie. Moi, par rapport à mon corps aussi, la plus grande transformation, je crois que ça a été dans mon corps. Il ne voulait plus réagir à rien du tout. Rien, rien du tout. Tout était frustré et sur place en fait. Et ben, ça s'est débloqué en fait. Ça s'est débloqué. J'ai pu refaire les gestes du quotidien.
J'ai pu sortir pour aller marcher dans la nature. J'ai pu aller retourner dans les magasins. J'ai pu aller ben, au contact des gens, en fait. J'avais complètement. Je n'avais plus ce contact avec les gens. Je suis restée des années toute seule. Et après, je sais pas comment mieux dire que ça, parce que c'était le vide sidéral autour de moi. Mais c'est déjà super parce que tu pars d'un point zéro, on va dire, jusqu'à un point où j'ai l'impression que tu te sociabilises, tu as l'air beaucoup plus ouverte aussi Oui, en effet, au monde. Donc, tu es beaucoup plus souriante. Enfin, on sent vraiment les gens ne te verront pas pendant le truc, mais dans l'enregistrement, mais on sent que tu es beaucoup plus ouverte aussi. je suis très transformée, en fait. Ça a été la transformation totale, en fait. À l'heure d'aujourd'hui, oui, je peux dire de l'ombre à la lumière, en fait. Et c'est même moi qui vais vers des gens inconnus pour pouvoir faire des rencontres maintenant. Parce que je vois ça comme une chance, en fait, d'aller vers les gens. Là où avant, j'en avais peur et je m'en approchais même pas, je voulais même pas les voir. À l'heure d'aujourd'hui, les gens que je croise ou que je rencontre, un sourire, un regard, ou même les énergies qui dégagent, c'est une chance pour moi d'avancer aussi dans ma vie. Et on s'apporte des choses, en fait. On se rend pas compte, mais chaque personne qu'on rencontre, on a quelque chose à souffrir, sinon on ne se rencontrerait pas. Et on accepte beaucoup, beaucoup mieux les choses. Là où avant j'étais bloquée, où je voulais, je n'acceptais pas beaucoup de choses en fait. À l'heure d'aujourd'hui, j'accepte tout et je laisse glisser en fait. Et c'est OK, c'est. C'est une sacrée transformation. Oui. Vraiment, vraiment, c'est une sacrée transformation de passer de l'ombre à la lumière, comme tu dis. Oui. Et ça a été une chance pour moi de tomber sur toi. En fait, je ne sais plus l'histoire qui s'est passée, comment j'ai fait pour aller vers toi. Je n'ai aucun souvenir de ça. Comme si, je ne sais pas, on m'avait dit, je ne sais même plus comment on a fait, mais ça a été vraiment une chance. Et je le conseille à tout le monde d'y aller, parce que ça aide, ça aide énormément. Bah, c'est vrai que c'est un sacré parcours, hein, parce que, mon objectif, c'est vraiment d'amener les gens à opérer des transformations concrètes dans leur vie. Et c'est vrai que toi, ça a été assez spectaculaire et assez fulgurant, un retournement. Je me souviens d'une fois où pendant la séance, c'était ah bah je vois plus du tout. Tu me disais que tu ne ressentais plus du tout les choses de la même manière. Il y a eu quand même de sacrées transformations et que ça a été très, très rapide. Et c'est preuve que lorsque la personne est prête, en fait, les transformations arrivent, les transformations réelles arrivent. C'est ça qui est magnifique. Oui, en effet, oui. Parce que je me posais la question aussi. Tu dis que ça a été spectaculaire et fulgurant pour moi. Ça dépend en fait des personnes, comment ils veulent accepter les choses. Donc, C'est voilà, des c'est ça. facteurs qu'on ne contrôle pas, tu vois, c'est inhérent à chaque personne. Et toi, c'est vrai que ça a été vraiment très vite, comme s'il manquait juste, tu avais juste besoin d'un tout petit coup de pouce comme si tu attendais que ça pour t'ouvrir, te transformer, pouvoir aller vers les gens. Je pense, oui. Il y a eu. En fait, après, je ne peux pas tout dire les problèmes que j'ai eu parce que ça devient très personnel. Mais chaque pas que j'ai fait avec toi et chaque pas que j'ai fait toute seule, tout est gravé dans ma mémoire. En fait, je ne peux plus retourner en arrière. Je ne veux plus. En fait, c'est vraiment une bénédiction, en fait, dans le sens, je sais d'où je viens. Je sais où. Je sais quel calvaire j'ai vécu juste avant ta rencontre et juste avant les séances. Et à l'heure d'aujourd'hui, ben je te remercie, toi. Merci. Ça a été, ouais, c'est waouh. Ouais. En effet. En fait, on va dire que l'an de moi n'existe plus, en fait. Ou elle existe toujours, mais je l'ai mieux acceptée.
je m'habite mieux avec elle, peut-être. Je ne sais pas trop comment dire ça. Tu Faut rien l'acceptes, en fait. rejeter, en fait. Voilà, oui. Faut rien rejeter. Du moins, je rejette rien, en fait. Et maintenant, ben, comment on pourrait dire ça? Mon cœur s'est ouvert d'une telle façon que l'humanité est précieuse pour moi. Là où je rejette tout ça, l'humanité est très précieuse pour moi. Et je sais qu'on a tous quelque chose à donner et à offrir au monde. Et on n'est pas là pour rien. Et on est là pour, je sais pas, c'est pas exactement une énergie, un sourire, une capacité comme toi, ou je sais pas, moi, faire la cuisine, ou chaque humain a un rôle sur cette terre. Et n'en doutez pas, en fait, faut pas en douter, en fait. Je sais pas comment expliquer. Mon cœur, il s'est tellement ouvert que les compréhensions ils sont extraits, en fait. Ils sont là. Et puis, je ne sais pas si je peux parler des capacités, en fait, que j'ai développées. Si, c'était la question Oui. que je voulais te poser, justement, depuis justement que ton corps s'est, que ton cœur s'est ouvert, qu'il y a eu cette grande ouverture, quelle perception tu as, si tu pourrais les décrire? On peut parler ça de la clairvoyance parce qu'elle ne va pas très loin. Mais je sens des énergies, chaque personne que je croise, je peux, à une certaine, d'une certaine manière, je ressens. Par exemple, si je dis bonjour à quelqu'un, je sais s'il a des intentions, des mauvaises intentions à moi. Quelqu'un ne peut plus venir à moi et dire qu'il peut me faire du mal ou me faire du bien sans que je sois au courant. Les rêves aussi. Mes rêves, ce sont. Je crois qu'il a doublé d'étage. Je pourrais dire ça comme ça. Avant, je rêvais. Ça me prévenait de ce qui allait se passer. Maintenant, dans mon, dans, dans, au-dessus de ce, de notre façon de rêver, je suis capable de rentrer en communication avec d'autres personnes. Je ne sais pas comment on appelle ces rêves-là, mais là, j'ai déjà fait Wow. deux fois. Deux fois. Et je reste éveillée dans mon rêve. Hein. Mais je dis double étage parce que je le vois en deux façons de distinctes. Après, une autre chose qui m'est arrivée, c'est on est capable de se mettre en communication avec n'importe quel humain sur cette terre, en même à côté. Est-ce Je que tu l'ai pourrais fait. répéter parce que ça a coupé? Il y a une mauvaise connexion. On peut, du moins moi je l'ai fait, on peut être en communication sans à côté de la personne. Je parle dans le monde entier sur la Terre, mais je parle aussi de la 5D. Et on peut communiquer par n'importe quel moyen. C'est même les pieds, quand on met les pieds nus sur la Terre. Il y a une vibration d'en bas et d'en haut, et ça, on communique avec qui se trouve, du moins, notre champ d'énergie, on va dire. On dégage une fréquence, et si on a. Comment je pourrais expliquer ça? Une histoire concrète qui m'est arrivée, la personne avec qui j'ai communiqué, c'est quelqu'un qui fait partie de ma famille d'âme. Je sais pas. Ouh là là, c'est un peu dur à. Je réussis à communiquer avec lui alors qu'il n'est pas du tout là. Il ne me connaît pas. Je ne le connais pas. Et pourtant, on a réussi à communiquer comme si on était face. En un sens, ça a quand même pas mal ouvert Et c'est tes vrai. perceptions subtiles, si je comprends bien ce que tu me dis. C'est que avant, il y en avait, parce que tu avais, j'ai l'impression, des signes avant-coureurs, des sortes d'expériences, mais là, ça s'est énormément ouvert à ce niveau-là aussi. Oui. Et En tu es fait, c'est beaucoup comme plus si je pouvais. consciente. Oui, ben je fais tout en conscience maintenant. Tout. Que ce soit manger, marcher, faire une caresse, s'occuper de moi ou même de la maison. Je fais. Mais
tout ne vient pas tout de suite. J'ai encore quelques blocages, je vais dire, et je résous, mais je ne peux pas mettre toutes les énergies d'un seul coup. C'est peu à peu et selon comment mon corps aussi accepte de passer. Ok. Donc, Donc en quelque sorte, là, tu as des outils qui te permettent aussi d'être autonome sur, oui. sur ton quotidien, dans ton quotidien, pardon. Oui. Oui, voilà. Et ça nous donne des idées larges, très larges. Voilà. Par exemple, là où le travail, je n'avais aucune idée, maintenant je sais où aller, exactement où aller. D'accord, donc là, C'est tu es en train de me dire que... au niveau professionnel, alors qu'avant c'était totalement flou, par exemple, où tu n'avais aucune idée. Là, depuis l'accompagnement, il y a une direction qui s'offre à toi et que tu découvres. Oui. Waouh, c'est génial. Mais il n'y a pas qu'un chemin, en fait. On a plusieurs possibilités, c'est à nous faire le choix. C'est immense, c'est juste phénoménal. Je ne saurais comment, mais on tombe aussi dans une, quand notre, on tombe aussi dans une, on a besoin de faire l'effort de dire merci. On n'a pas besoin d'être dans la gratitude. On vibre la gratitude, en fait. Et je me rends compte que ce que je dégage amène à moi presque immédiatement ce que je veux. C'est juste intense. Ce matin, je sortais, je pense à quelque chose, à 10, je vois devant moi. Ça a coupé encore à 10. Ah, ça a coupé? Ouais. À 10 heures, j'ai vu ça devant mes yeux. Alors, je suis sortie de chez moi, il était 7h15. Je pense à quelque chose que je voulais. À 10 heures, la chose était devant moi. Ah oui, effectivement, c'est rapide. Ça voilà. Se manifeste. Voilà. Mais il y a des choses qui s'est manifestées, mais je ne dis pas parce que c'est mes projets personnels. En fait. Il n'y a pas de souci. Personnel. Mais tout se réalise. La vie, l'univers, le ciel, ce que vous voulez, il nous aime. Il est pour nous donner tout ce qu'on veut. On veut du mal, il va nous envoyer du mal d'une telle façon qu'il nous aime tellement qu'il ne peut pas, il peut rien nous refuser. Comme à son enfant trop laxiste, même si ce n'est pas bon pour lui, ça sent bon pour nous, bien sûr, il va nous le donner. On vibre négatif, il nous renvoie du négatif. On vibre du positif, il va nous renvoyer du positif. Là, je l'ai compris. je cherche que du positif. Non, c'est OK. Enfin, j'ai compris dans ce sens-là. Après, je ne sais pas si c'est compréhensible pour quelqu'un, mais j'ai compris ça. OK. Et je pense la dernière question, mais avec toutes les transformations que tu as vécues depuis l'accompagnement, comment tu vivais avant tout ça, tu l'as un peu décrit sans rentrer dans les détails. Ma question, c'est à qui tu conseillerais? À quel genre de personne ou à quelle personne dans quelle situation tu conseillerais un accompagnement comme tu as vécu? En fait, je vais aller sur le large. Dites-vous que si vous avez un problème peut nous prendre tellement la tête, peut tellement nous envahir, et ça, je l'ai bien vécu, n'importe quel problème vous avez, allez-y. Il y a que du bon, il y a du positif. Il n'y a pas un seul humain avec un problème. Derrière un problème, il y a encore un problème, il y a un autre problème, il faut trouver les solutions. Peu importe où vous êtes, enfant, adulte, professionnel, peu importe qui vous êtes, allez-y. Ça avancera beaucoup plus vite que ce que vous pouvez imaginer. En fait, même pour un projet, en fait, vous bloquez pour un projet, allez-y. Ça coûte quoi de débloquer, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire plus tard? C'est pour notre bien. Peu importe les personnes, peu importe le public, en fait. C'est pour notre bien à nous, mais aussi pour le bien de notre prochain. Il n'y a que nous dans cette histoire.
on n'est pas seul. Et si vous saviez ce qui peut en découler, le fait de faire un geste, tout ce qui s'en découle derrière, c'est énorme. C'est énorme en fait. Un choix, une décision, une prise de conscience. Ok. Eh bien, je te remercie pour ton témoignage hyper spontané, parce que voilà, c'est je pense même presque le laisser tel quel quasiment, parce que y a rien à redire. Pour les personnes qui vont écouter ce témoignage, bah, merci d'avoir écouté Jessie. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine.